kandi banezere kuba mu itoro ry'Imana. How many happy to be part of the church of God? Ni bande baguwe neza mu itoro ry'Imana? How many are comfortable in the Ni bande bafite ibibazo? How many having troubles or problems within the house of God? Quelqu'un a dit, mon ami a ravusé, même si dans la maison de Dieu, l'église, ngonubwo mu nzu y'Imana mwitorero, pourrait sentir mauvais, hashobora kubamo umunuko cyangwa kunuka, je préfère la senteur dans la maison du Seigneur, na hitamo uko kunuka ko mu nzu y'Imana, plutôt que la pourriture dans le monde. Aho kujya mu kubora mu munuko w'ibiboze wo mu nyisi. Qui a compris? Ninde wasobanukiwe? No kuvuga ngo mu nzu y'Imana nubwo byose bitari byiza cyangwa se ashobora kubamo ibintu bibi cyangwa umunuko niko yakoresheje iryo jambo ngo uwo yahitabgara yange. I am quoting, je cite quelqu'un. No wabivuze? Nuvuga ngo yaravuze ngo yahitamo uko kunuka cyangwa se ibyo bimwe na bimwe bitari byiza aho kujya mu muntu uko biboze mwisi kuko mwisi ho noneho numva ngo nukubora biranutse bikabije. Voilà. Bazamugize nayo ti. Wo uhitamo iki? So what would you choose? Ibiboze byo mwisi cyangwa umuntu uko mu nzu y'Imana? The rotting of the world or the smelling of the house of God? No, no, ninde abyumvise. So how many understood at least? Kuko abantu benshi baribeshya. Because people they get misled. Ils sont en train de courir après une église parfaite. Bareho barashakisha ngo itorero ngo ryiza ritagira icyaha. Parfaite. Itorero ritunganye rwose. Vous savez le problème? Muzi kibazo? Tu pourrais trouver une église parfaite. Ushobora kubona itorero ritunganye rwose. Si toi-même étais parfait. Niba nawe utunganye rwose. Qui a compris? Ninde wabisobanukiwe? Tu es plein de défauts. Ufite ibintu byinshi bitari byiza muri wowe. Et c'est toi l'église. Kandi ni wowe torero. Uzava hano ngo aba hano banenga ibi. Ugenda handi ubanenga ibindi kuko ibyo banenga bikugendamo. You will always run after perfection of the church, but because you are not perfect, ibyo unenga nariya bikugendamo. So what displeases you from here or there, it is within you. Ari umuntu umwe twahuye muri Amerika yavuye mu Rwanda. Hanyuma turaganira arambwira ni I know America. Naje kumbwira iminsi bamaze bimeze bite. Urazi ko yambwiye ndamushinga ko yari sincere, okay? Someone we met in the United States and he had come from Rwanda and I asked him how is it in the US. I'm happy because he has been honest. That's what he said. Aravuga ati wambaye kirezi. You would never enjoy the goodness within you. Atu Rwanda nta korusa. He said that Rwanda is very beautiful. Ibyiza by'igihugu cye abimenye ahandi. Na niyo mpamvu rero nujya gushaka igirize parfaite uribeshya. It simply means that mahuri stay where you are. Kiretse Imana ikubwira unless the Lord tells you ngutumye hari yakubaka. I send you there to build. Aha. Kandi nimbi gutumye and when he sends you izabanzibwira hari ugiye ko ari gutuma. He will first tell the where you are going that he's the one who sent you. Kuko nutgiye nuvuga ngo nje kubaka azaguye tuje kubaka ibiki. Because when you go saying that I'm going to build it, they will ask Kwimani you what are you going to build. So if it, what will you answer? Will you answer that there are builders many in the church I'm living? Guma munzu y'Imana. Remain in the house of God. Korana n'abandi. Serve with others. Numuka w'Imana. With the Spirit of God. Ibigoramye mu bigorore. And align what is not aligned. Ubuntu bw'Imana nibwo buhagije. Only the grace of the Lord is sufficient. Ça c'était ce qu'on appelle l'entrée. Ibyo ni bimwe baheraho mbere y'ifungu rinini. Ephésiens 2:1-3. Well, we go to Ephesians
chapter 2 1 up to 3 namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzizi bicumuro n'ibyaha byanyu ninde avugwa hano ni wowe nange it's you and I none wowe wishiramo kutarupfuye ati bari barapfuye twari twarapfuye mvuge muti twari twarahenebereye tiyo twari twapfuye nari napfuye na voilà ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi mugakurikiza umwami utegeka ikirere uwo niwe yari yatwishe ari we mwuko ukorera mu batumvira kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza okay nushagukirekereza vous avez compris nasobanukiwe nous étions tous morts twese twari dupfuye sans exception na numwe usigaye blanc noir jaune rouge vert jaune tout ça umwirabura umuzungu abasumuhonda abasumutuku bose nous étions morts twari dupfuye nous qui sommes aujourd'hui en Christ twebwe uyu munsi turi muri Kristo mais pour les autres ariko kubandi ils n'étaient pas morts ntago bo bari bapfuye non ils n'étaient pas morts ntago bari bapfuye ils sont encore dans la mort baracyari mu rupfu c'est nous qui sommes sauvés aujourd'hui ni twebwe dukijijwe uno munsi nous étions morts dans le passé twari twarapfuye mu gihe cyashize qui nous a tué ninde watwishe c'est le prince de la puissance de l'air numutware w'ikirere the ruler of the power of the air numutware w'imbaraga z'ikirere there is a kingdom over there hari ubwami hejuru hariya spiritual kingdom ubwami bw'imbaraga which is killing people buri kwica abantu despite the skin color utitaye kubwoko bwabo cyangwa uruhu iria prince spiritual kirenye laba hari igikomangoma cy'umwuka gitegeka hariya ino tempered too nabwo agukunda na gato il veut te détruire arashaka kukurimbura de paix maintenant. Niwa udafite amahoro none. Ça vient de lui. Bituruka kuri we. Si tu es dans l'inquiétude. Niba ufite impagarara. Ça vient de lui. Bituruka kuri we. Regarde mon cher ma chère. Reba mwene data mushiki wanje. Écoutez-moi bien. Munyumve neza. Si la Bible dit ceci. Niba Bibiliya ivuga gutya. Et que ta vie est le contraire de ce que la Bible dit. Ubuzima bwawe bukabuhabanye n'icyo Bibiliya ivuga. Cherche le problème en toi. Ushakira ikibazo muri wowe. Parce que la Bible. Kubera ko Bibiliya yo. C'est notre véritable diagnostic. Ni niyo idusuzuma byukuri. Si la Bible dit. Niba Bibiliya ivuze. Si la Bible dit. Iyo Bibiliya ivuze. Rejoice in the Lord. Ngo munezerwe mu witeka. Always. Iteka ryose. Et que tu ne te réjouis pas. Ukabuta nezerewe. Ça veut dire quelque chose. Nukuvuga ngo icyo gihe. Ne colle pas avec la vérité. Ari ikintu kiba kitari mukuri. Et il faut chercher la source de ton emprisonnement qui t'empêche de te réjouir. Rero ubugomba gushakisha muri wowe impamvu utanezererwa. Savez ce que Jésus nous fait? Muzi cyo Yesu adukorera. Avec la vie éternelle qu'il nous donne. Hamwe n'ubugingo buhora haduha. Gratuitement. Akabuduha kubuntu. Il nous donne la capacité. Aduha n'ubushobozi. De faire face au réel. Bwo guhangana n'ibiriho. De transformer le réel. Tugahindura ibihari. Même s'il est apparemment trop puissant par rapport à nous. Nubwo byaba bisa naho bikomeye kuturusha imbaraga. Transformer le réel. Tukabihindura. Ce qui te fait réagir négativement. Icyatumaga witwara nabi. Tout ce que tu vois là. Ibyo byose ubona. Chaque chagrin a une cause. Buri gahinda cyangwa umubabaro ufite impamvu. Vous savez le principe scientifique. Muzi hame ry'ubushakashatsi. Le principe de la causalité. Ihame rien n'existe sans cause. Yubushakaje bavuga ko nta kintu na kimwe gihari kidafite impamvu. Et quand il y a plusieurs causes. Iyo hari impamvu nyinshi. Il n'y a aucune cause. Nta mpamvu nimwe ibihari cyo gihe. Alors chaque chose a sa cause. Buri kintu cyose gifite impamvu. La science est limitée en ceci. Science igarukira muri ibi. Je vais dire. Ibyo nshaka kuvuga. La science est limitée. Igarukira hangaha. Ce principe est valable. Iryo hame rifite agaciro yego. Le principe de causalité. Ihame ry'ikintu kifite impamvu. Je n'ai pas de paix. Nta mahoro mfite. Il y a une cause. Hari impamvu. Je suis malade. Ndarwaye. Il y a une cause. Hari impamvu. Je suis pauvre. Ndakenye. Il y a une cause. Hari impamvu. Chaque chose a une cause. Buri kintu cyose kiba gifite impamvu. Chaque effet a une cause. Buri kintu cyabaye haba hari impamvu. Mais la science est limitée en ceci. Hanyuma ubushakashatsi ya science igarukira hangaha ngiye kuvuga. Elle ne parvient pas à trouver la cause première. Nabwo ibasha kugera aho imenye impamvu ya mbere.
Mais la Bible va jusqu'à la cause première. Ariko Bibiliya iragenda ikagera ku mpamvu yibanze. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible transcende la science. Kuko Bibiliya irenze science. Alors la cause de ton malheur. Rero impamvu y'ibyago byawe. Ce n'est pas que rukundo t'a fait du mal. Ntabwo ari kubera ko rukundo yakugiriye nabi. Rukundo est un instrument. Rukundo yabaye igikoresho. Il est la cause d'une autre cause. Yabaye impamvu y'indi mpamvu nyamukuru. Mais il faut aller jusque là à la racine. Ariko ukwiriye kugera ku muzi w'impamvu. Je ne suis pas bien parce que ceci cela. Ukavuga ngo simeze neza kubera impamvu. Ça c'est une cause. Iyo ni impamvu. Mais il y a la cause des causes. Ariko hari impamvu y'iyo mpamvu. Rukundo qui t'a fait du mal. Rukundo wakugiriye nabi. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu ne te réjouis pas dans la maison de Dieu. Kugeza uyu munsi aho utakinezerwa mu nzu y'Imana. Ce n'est pas lui la cause. Ntabwo ari we mpamvu. Il est une cause intermédiaire. Ni impamvu iri hagati y'impamvu nyamukuru. La cause c'est Ephésiens chapitre 2 verset 2. Il y a un prince là-bas. C'est lui la cause. Impamvu nyayo ni mu Befeso kabiri rimwe kuza kuri gatatu. Hari umutware w'ikirere niwe mpamvu nyamukuru. Il a emprunté le corps de Rukundo et ses facultés. Yitije umubiri wa Rukundo arawukoresha. Pour te faire du mal. Kugira ngo wowe wakugirire nabi. Alors la Bible. Ariko Bibiliya yo. N'est pas comme la science. Ntabwo ari nka science. Elle ne traite pas les symptômes. Ntabwo yita ku ngaruka z'icyabaye. Elle traite les causes. Ahubwo kucyateye izo ngaruka. Bwana asifiwe. Mwami ahabwe icyubahiro. Qui a compris là? Ninde wasobanukiwe kugeza aho? Bandugu yangu simufurahiye Bwana. Mwabe abavandi mwese mwanezerewe umwami. Weye. Wowe. Utasirikia sahani. Uzarakarira sahani. Mbere yake. Sahani ya iri mbere yawe. Hakuna chumvi. Ngo nta munyurimo. Hakuna hivi. Ngo nta bibi ntibirimo. Sahani haisemi. Isahani ntabwo iri busubize. Haifikiri. Ntabwo iri butekereze. Haitajua emotion zako. Ntabwo iri bumenya amaranga mutima ufite. Ira unapekeja meno tu. Ari kurahura hekenya meno. Sasa na neno la Mungu. Ni jambo ry'Imana rero. Utasirikia. Naryo warirakarira. Iyo si bala hiyo. Es si probleme hiyo. Icyo si ikibazo. Kiswahili nasema hiyo ni bala. Ni ikibazo. Bala ni kusema nini? Bala ni kuvuga iki? Hiyo ni shida hiyo. Icyo ni ikibazo. Sasa utafurahia nani? Uzanezerwa nde rero? Shetani hautamfurahia. Satani ntago wamunezererwa. Na Mungu hamfurahi. Ni Imana ntuyinezererwa. Sasa utafurahia nani? Uzanezerwa nde? Hata vitu aviseme unavisirikia. Ni bitavugwa ukabirakarira. Ile sahani ile ya maragi unasirikia. Ili asahani haisemi. Hagibasha kuvuga. Imekufanya nini? Yagutwaye iki? Ha? Faut trouver la cause des causes. Ugomba kubona impamvu yataye iyo mpamvu. C'est le diable. Ni Satani. Alors je prends autorité sur le diable. Fashe rero butware kuri Satani. Rejoice in the Lord. Nezerwa mu mwami. Always. Iteka ryose. Mwambie yule rejoice in the Lord. Kiwa mwicanye ngo nezerwa mu mwami. Bousculer les démons. Sunika ejeza y'umwanzi. Bousculer les démons. Ejeza ya daimoni. Qui te met dans leur cage. Bakujyana muri gereza yabo. Il t'empêche la joie que Dieu t'a donné. Bakakubuza umunezero Imana yaguhaye. Il y a des choses que Jésus nous a acquises à la croix. Hari ibyo Yesu yaturonyeye ku musaraba. Oh, eternal life. Ubugingo buhoraho. Freedom. Umudendezo. Peace. Amahoro. Joy. Umunezero. In the Holy Ghost. Mu mwuka wera. Kama upendi kufurahia Mungu, wewe jifurahi wewe. Nani anajipenda hapa? Nani anajipenda hapa? Ninde wikunda hano. Unaona? Kama ujipendi ni dhambi. Niba utikunda ni cha. Kwa sababu kama ujipendi hautanipenda. Kuko nutikunda nturi bunkunde. Kunda mugenza yuko wikunda. Love your neighbor. Kunda mugenza yuko wiyanga. Nani anajipenda hapa? Ninde wikunda rero. Kuko umvise kwa Imana bivuze. Nani anajipenda hapa? Ninde wikunda. Lazima ujipende. Ugomba kwikunda. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'égocentrisme. Ntabwo ari kwirebaho. Oya. Ukijipenda. Iyo wikunze. Kama gisi Mungu anasema. Nkuko Imana ibivuga. Na ungine utampenda. Uzakunda n'abandi. Utajua kwamba. Uzamenya ko. Anastahili avae. Akwiye kwambara. Nawe akwiye kwambara. Akwiye kurimba nkawe. Kama mimi hapa akwiye kurimba nkanje hano na mimi napenda muwe hivi nani vae vizuri na yambare neza nawe akule vizuri arye neza nawe akue fit amere neza katika Kiswahili ya Tanzania mu Kiswahili cha Tanzania na kwenda na nyumba ya Mungu anacheka aze muzu y'Imana aseka ce que je veux vous dire icyo nshaka kubabwira les chercher les spécialistes abashakashatsi dans le domaine de la neuroscience mu byerekeranye n'ubuhanga bw'imitsi yo mu bwonko ils ont déduit ceci bavuze gutya
le sourire, guseka, ça fait partie de la thérapie. Ne umuti cyangwa no kuvura contre le dommagement du cerveau. No umuti kukwangirika kubwonko. Alors si tu ne veux pas rire pour Dieu, ris pour toi-même. Pour ton bien. Ndaseka kubera Imana, basuseke kubyiza kwineza yawe. Na watu ambao wanacheka kila siku hawazeeki mapema. Abantu rero bakunda guseka nago basaza mbere y'igihe. Sasa chikia jirani yako. Sekir mu uwo mwicaranye rero. Nimubere nkari Burundi nawe wa musore yagiye yivuga yankunga umugiye umusore hanyuma akagenda yivugisha jewe narasisiye gusisira ngo nararakaye ndumurakare namujya mubyumva ngo numuraka uriya rero afite ibibazo azasaza imburagi ubwonko bwe buzasaza vuba comprenez murabyumva voilà donc il faut cultiver ça rero mugomba kwitoza ibyo amen amen uravuga uti none si ufite ibibazo y'amafaranga uraseka gute say I have problem non quand ça devient une culture. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Ou ce que tu n'as pas. C'est automatique. Le cerveau va enregistrer ça. Et tu vas produire ça comme ça. Alléluia. Amen. 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 C'est ça, en fait. Pourquoi tu t'as dit massage? Why do we have wrinkles? It is because not because we do not go to massage, but because of lack of joy. Il faut sourire. Nuko tutaba twasetse. Parce que la vie, kubera kuzima, elle est tellement belle. Ni bwiza cyane. Tu as cité Mahatma Gandhi, n'est-ce pas? Wavuze ibyo Mahatma Gandhi yavuze. Il a beaucoup de cita, il y a beaucoup de citations de Mahatma Gandhi. C'est un philosophe. Hein? Mahatma Gandhi yari umufilozofe afite byinshi yanavuze gutya. Comprenez bien. Mubyumve. Alléluia. Amen. 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 Il a dit ceci. Yaravuze ngo la vie ubuzima. Comprenez. Mwumve. Comprenez. Mubyumve. La vie ubuzima ce n'est pas un problème à résoudre. Nabwo ari ikibazo cyo gukemura. Mais ariko un mystère à vivre. Nubwiru bwo kubaho. La vie, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est un mystère à vivre. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Nous voulons résoudre l'irrésolvable. Dieu ne nous a pas donné un problème à résoudre. Hein? La vie n'est pas un problème à résoudre. Ubuzima ntabwo ari ikibazo cyo gukemura. Niyo mpamvu n'abantu barashima mu mutwe bakagira gutya bagafunda imitwe bakayiteka igashya hanyuma igahora bakora bagateka ngo barashakisha ngo kureza problème y'ubuzima. No! Oya, c'est un mystère à vivre. Nubwiru umuntu akwiriye kubamo. Je ne comprends pas tout dans la vie. Byose simbisobanukiye mu buzima. Mais je me suis trouvé dans la vie. Ariko nisanze mu buzima. Pour faire quoi? Kugira ngo nkore iki? Pour vivre. Kugira ngo mbeho. C'est mystère à vivre. Nubwira umuntu akwiriye kubaho. Ce n'est pas un problème à résoudre. Ntabwo ari ikibazo umuntu akwiriye gushaka. Ikibazo dufite hano twese hano gituma tutanezwa n'ijambo ry'Imana. Turiho turarezova ikibazo cy'ubuzima. Kandi Imana ntabwo yakiduhaye nk'ikibazo. Yakiduhaye nk'ubwira ubwayo ngo tubiwemo gusa. Vie la vie ne sait pas de la résoudre. Ça ne se fait pas. Ba mu buzima wigerageza gukemura ibibazo byabwo. Qui a compris Ninde wa sobanukiwe. Eh! Vie la vie. Ba mu buzima. C'est un mystère. Nubwiru. Vie la vie. Ba mu buzima. Ah. Encore une petite chose et puis je vais entrer dans la Bible, n'est-ce pas? Akandi ikindi gitoya hanyuma njya muri Bibiliya, sibyo? Aujourd'hui tous les grands scientifiques. Uyu munsi abashakashatsi bakomeye bose. Ils arrivent à ceci. Bageze kuri iki? Dans les années passées, la science s'était donné le culot de dire qu'elle a évincé la religion, la foi. Évincé, ça veut dire. Science yibwiraga ko yamaze gushyira hasi iyobokamana cyangwa si iby'Imana cyangwa Bibiliya. Se donne le culot. Baba zikiyemera zikishyira hejuru. Science ikishyira hejuru. Que tout est explicable. Ko byose bifite ubusobanuro. La foi, la religion.
ko ibyo kwizera ibyo imyizerere nta kintu bimaze. C'est ce que Descartes a enfanté, la raison. Ni Descartes wazanye uko gutekereza. Tout explicable rationnellement. Byose babifite impamvu n'ubusobanuro. Maintenant, unanimement, tous les scientifiques. Uyu munsi batabivuganyeho abashakashatsi bose. Dans les grands débats scientifiques. Mu biganiro mbwirwayo hamwe cyangwa se mu biganiro by'aba scientifiques abashakashatsi. Il y a un thème aujourd'hui qui anime les débats scientifiques. Uyu munsi hari ikintu abantu bose bo bushakashatsi. Il y a un thème topic. Hari umutwe runaka bose bari kuvugaho cyangwa bahuriyeho. Le thème est le suivant. Est-ce que le hasard existe? Le hasard. Non, c'est pas amahirwe, le hasard. Ça veut dire que hari ibintu byikora nta mpamvu. Dans les années passées, la science était catégorique non. Science yaravuga ngo ntibishoboka. Ya pas de hasard. Nta bintu byikora. Tout a une cause. Byose biba bifite aho byaturutse. Maintenant ils vendent la mèche, ça veut dire ils se dédisent, ça veut dire maintenant ils reconnaissent. Uyu munsi bariho barivuguruza. Ils disent. Bakavuga ngo il y a des phénomènes. Hari ibintu qui ne sont pas explicables scientifiquement. Bidashobora gusobanurwa na science. Et qui n'ont pas de cause scientifique. Kandi bidafite impamvu y'ubushakashatsi cyangwa ya science. Donc dans la création, uvuga mu byaremwe, il y a des choses scientifiquement explicables. Hari ibintu mu buryo bw'ubushakashatsi bishobora gusobanura. Il y a des choses aussi qui arrivent que nous les scientifiques nous sommes ébahis. Ariko hari n'ibindi bibaho twebwe abashakashatsi tudashobora gusobanura. Devant ces choses, ces phénomènes. Imbere y'ibyo bintu. Et il conclut. Bagasoza bavuga ngo. En citant Einstein. Bagasubiramo cyangwa amagambo Einstein yavuze. Celui qui a inventé la bombe atomique là. Niwe wazanye ubuhanga bwakoze bombe atomique. Qui a inventé au dimwe la formule de la puissance de l'atome. Niwe wazanye ibyatumye bombe atomique ibaho. Hein? C'est pas lui qui a fabriqué la bombe, mais il a été l'initiateur de la formule de la puissance de l'atome. C'est lui qui a permis que les Américains détruisent Nagasaki et Hiroshima en exploitant sa formule. Ces bombes ont été le résultat des savants juifs, pour la plupart, qui travaillaient aux États-Unis pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Izo bombe zarakoreshejwe kugira ngo barangize intambara ya kabiri y'isi. C'est le produit du travail des scientifiques et la plupart des juifs. Byaturutse mu bahanga cyane cyane b'abayuda bazanye ubuhanga bwo gukora iyo bombe. Ça veut dire le président de l'époque leur avait donné un endroit très sécurisé pour exploiter jour et nuit la formule de Einstein. Perezida w'icyo gihe muri Amerika yari yabahaye ahantu bakoresha ubwo bwenge bakazana bakoresha ubushakashatsi kugira ngo babone iyo bombe. Alors écoutez. Einstein, ces savants, est en train d'être cité aujourd'hui par rapport au phénomène du hasard. Parce qu'ils voient qu'il y a des phénomènes supranaturels. Et maintenant, ils disent, Einstein avait raison. Quand il est entré dans le mystère de l'atome. Lui, quand il est entré. Il a dit. Yaravuze ngo. Le hasard. Notez ce qu'il note. Niko yavuze. Ega uko niko cerebola litazasaza. Ni muguma muri aho gusa mugamenya guza kubara amafaranga mungutse bizadevelope ubwo ngo gato ariko ntago bizaba cyane. Mwabyumvise? Abandika bafite aho bandika mwandike. Écoutez, il a dit. Einstein yaravuze ngo. Le hasard. Ngo ibintu kwikora. C'est Dieu. N'Imana. Lorsqu'il voyage, il veut voyager incognito. Iba yakoze igiba. Le hasard. Ngo kwikora kw'ibintu. C'est lorsque Dieu voyage incognito. Nige Imana igenda idashaka ko igaragara abantu bayimenya. Ngo le hasard, il vango, amahirwe yansekeye. N'Imana iba yaguseke ariko ntishake ko uyimenya ko ari yo.
Vous comprenez? Murabyumva. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Ni kuvuga ngo nta bintu kwikora bijya bibaho. Ce que nous appelons hasard. Icyo twitanga ibintu byikoze. C'est Dieu. Abari Imana. Il faut expliquer ça. Vous compreniez? Muriho murabyumva kwa kundi ngo amahirwe cyangwa ibintu byaje bi byagenze gutya amahirwe yansekeye abari Imana yabikoze nuko ibidashaka ko ubona ko ari yo yabikoze. Je me trouvais ngo au bon endroit au bon moment. Nkisanga ndahantu mu hakwiriye mu gihe gikwiriye. Et j'ai cette chance. Ndangije ngira amahirwe runaka. Oui, on appelle ça hasard. Abantu bakavuga ngo ni amahirwe ni ibyo byikoze. Ce que je suis icyo ndicyo dépend de ce que un jour bitewe biterwa nuko hari umunsi je me suis trouvé au bon endroit au bon moment par hasard. Nisanze ndahantu hakwiriye mu gihe gikwiriye kubwa amahirwe biri biba. Je vais vous poser une question. Ndashaka kubaza ikibazo. Et après je vais vous laisser partir. Hanyuma mbareke. Qu'est-ce qui se serait passé? Ese byari kugenda bite? Si nous serions venus sur ce terrain 2 ans après. Yo tuza hano turi imyaka ibiri nyuma. D'après les informations que nous avons eues après d'avoir acheté ici. Ku makuru twabonye nyuma yo kugura hano iki kibanza ubutaka turi. Il y avait des gens qui sont déjà en négociation avec la propriétaire. Hari abantu bari baratangiye kuvugana ibiciro byo kuhagura hano na banyiri ubutaka. Ça veut dire. Nous kuvuga iki rero? Le fait que nous soyons ici aujourd'hui. Kubona munsi turi hano turi. Nous sommes venus. Nuko twaje. Au bon moment. Mu gihe gikwiriye. Est-ce le hasard? Ese ni tombora? Ce hasard là. Na iyo tombora cyangwa ibyo bintu kwikora. Einstein di. Einstein aravuga. C'est Dieu. Ni Imana ikora. Lorsqu'il veut. Igihe. Voyager. Ishaka igenda. Incognito. Ishaka ko batamenya ko ariyo. Qui a compris? Ninde wasobanukiwe? Donc il y a pas de hasard. Nubwo yo nta bintu byikora. La science aujourd'hui admet qu'il n'y a pas de hasard. Uyu munsi science yemera ko nta bintu byikora. Il y a des choses rationnelles. Hari ibintu bisobanurwa n'ubwenge. Il y a des choses irrationnelles. Hari n'ibintu bitabasha gusobanurwa n'ubwenge. Et la conclusion des scientifiques. Hanyuma icyo banzura abo bashakashatsi. Il donne raison à Dieu. Bavuga koko ku Imana ihari. En disant. Bakavuga ngo. Si tout était programmé par le principe de causalité. Niba byose byari bishingiye gusa kuri ya rya hame ryuko ikintu cyose kigira impamvu. La vie serait juste une mécanique. Ubuzima bagaba nk'ibintu biraho bifungi ahantu bigomba. Ce qui donne à la vie sa dimension harmonieuse. Igituma ubuzima buba buryo cyangwa se bugenda mu ruhererekane. C'est toujours l'inconnu. Nuko hari ikintu kitazwi. Voilà pourquoi, si Dieu te donnait maintenant même tout ce dont tu as besoin pour toute la vie, la vie va devenir monotone. Monotone, ça veut dire la vie monotone, morose. Monotone, morose. Noir. Abuba. Burijima bubi kintu kiraho kitari. Oui, le fait que la vie est pleine de hasard entre guillemets, ubu kuba ubuzima bwuzuye abitazwi rika tubivuge gutyo, ça nous amène à vivre ce qu'on appelle l'extase, l'expectation. Bituma tubaho tunezerwa ibyo tutazi izaba. Ça crée l'expectation. Birema ukwitega. Et l'expectation uko kwitega rero donne à s'étonner sur le mystère de la vie. Bituma dutangarira ubwiru bw'ubuzima. Et nous vivons en disant tukabaho tuvuga dutya. What next? Ngo ese harakurikira iki? Nous vivons en disant tukabaho tuvuga. Tomorrow will be brighter. Ejo hazaba heza kurusha none. Qui a compris? Ninde wabisobanukiwe? C'est ça la beauté de la vie. Ubwo nibwo bwiza bw'ubuzima. Niyo mpamvu ntubabazwe n'icyo udafite ubu. Non, comprends la vie ce que c'est. Sobanukirwa icyo ubuzima ari cyo. Ya le hasard. Hari ngo ibyikora. Qui n'est pas hasard. Nyamara bitikora. Ça veut dire il y a Dieu. Nuvuga ngo hari Imana ibiri. Chaque instant.
buri mwanya il crée des choses particulières irema ibintu byihariye muri wo l'instant d'après mu mwanya uri bukurikire il va créer des choses particulières iraza kurema ibintu byihariye les choses sont comme ça ibintu nuko biba bimeze le pauvre ne continuera pas être pauvre umukene ntabwo azaguma kenye celui qui est courbé ne continuera pas être courbé ucishwe bugufi ntabwo azaguma cishwe bugufi Dieu a en réserve beaucoup de choses imana ibibitse byinshi la vie n'est pas monotone ubuzima ntabwo ari ikintu gifungiye ahantu hamwe parce qu'il y a toujours du nouveau kubera ko igihe cyose haba hari ibintu bishyashya alors toi rero wowe attends-toi à quelque chose de meilleur itege ikirenze kuba cyiza giramugize ati ntiwitege ibyago itege ibyiza tell your neighbor don't expect for the evil expect for the good si quelqu'un attend une bonne nouvelle niba ari umuntu witeze inkuru nziza et qu'il croit akaba byizera est-ce qu'il attend la réjouissance quand la chose adviendra ese ategereza kunezerwa igihe icyo kintu yiteze azakibona Non. Oya. Si elle croit la chose. Niba yizeye kucyazakibona. Elle commence à s'en réjouir. Atangira gukinezererwa ubwo. Parce que c'est par l'espérance que nous sommes sauvés. Kuko ni kubw'ibyiringiro dukizwa. Niyo mpamvu ibane kuvuga ngo nezerwa muri Kristo ndabisubiye mu cyose ne nezerwa. Pourquoi à cause de l'espérance. Haba hari ibyiringiro. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Habari ibintu Imana iri irakora. Ariko se mushaka ko Imana ibabwira gute? Mwese hano nimba mufite imyaka iri 20 mushobora kubyumva. Mu myaka 10 ishize 20-30 ibintu uko byari biri siko bikiri. Hari abantu bamwe bari ingorwa ubu bara. Hari abandi bagiye kwirata ubu. Mvuge muti this is life. Ni kubuzima bumera. Qui a compris? Ninde wasobanukiwe? Eh? You don't know what the Lord has in store for you. The reason why? Naniyo mpamvu. Give me 10 minutes. My minute to me. Alors nous allons vite aborder quelque chose de grandiose. Tugiye rero kuvuga ku kintu kini gikomeye. Ariko mwibuke ko mu masengesho nzigisha ibintu bifite profondeur bifite ibijyefo bikomeye ku buzima bwa Yabes. Je vous dis ce que je vous donne ici. Ndikubabwira ibyo mba hano. Quand je suis dans d'autres pays, iyo ndi mu bindi bihugu, je ne donne même pas un centième. Nanubwo ntanga kimwe cy'ijana cyabyo. Mais je laisse un impact indélébile. Ariko siga abantu bahindutse mu buryo bukomeye. Why not here? Kubera iki hano bitagenda bityo? C'est la question. Tout a une cause. Cyose bifite impamvu. Mais il faut aller jusqu'à la cause première. Ariko ugomba kugenda ukagera ku mpamvu nyamukuru. Ephésiens 2. Abefeso 2:1. Laissez-moi continuer. Romains 8:28. Abaroma 8:28. On va donner 10 minutes et puis on va prier. Mwampa iminota 10. Lisons vite. Dusome twihuse. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana. Byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye amen qui a lui ninde wasomye peut-être que tu n'as pas compris la profondeur ari nago wasobanukiwe ubusobanuro bw'imbibi alors c'est mon travail rero icyo nicyo ndi bugufashe dans le Saint-Esprit mu mwuka wera nous savons du reste tuzi kubisigaye Hein, tu vas lire. Tuzi yuko que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye. Amen. Combien de choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu? Ese nibingahe bifataniriza kuzana ineza kubakunda Imana. Toutes choses. Ibintu byose. Hein? All things. Byose. Dieu utilise toutes choses. Imana ikoresha ibintu byose. Pour les amener à faire du bien pour ceux qui l'aiment. Kugira ngo bize bigirire neza abayikunda. Ceux qui l'aiment.
abayikunda. Qui aime Dieu ici? Ninde ukunda Imana hano? Alors ce message est pour toi. Ubu n'ubutumwa bwawe rero. Je ne vais pas m'y attarder. 10 minutes je termine. Nago ndi watinde ndasoza minota 10. Tout concourt, toutes choses concourent. Byose bifataniriza hamwe. Ou en d'autres termes. Cyangwa mu yandi magambo. Toute chose est en train d'être embrigadée. Byose biriho birazanwa. Pour les amener, les canaliser pour faire du bien à l'enfant de Dieu. Biriho birafatwa mpiri kugira ngo bize bizane ineza ku bana b'Imana. Toutes choses. Ibintu byose. Y compris moi. Nanjye ndimo. Y compris toi. Na urimo. Y compris le passé. Harimo bya kera. Y compris le présent. Harimo bya none. Y compris les choses à venir. Harimo nibizaza. Y compris les puissances. Harimo n'abanyimba n'abanyamibaraga. Y compris les profondeurs. Harimo bijepfo. Y compris les hauteurs. Harimo bijaruguru. Y compris la pauvreté, harimo n'ubukene, compris la maladie, harimo n'uburwayi, compris la richesse, harimo n'ubutunzi, tout, byose byose byose, tout est chaud, ibintu byose, que Dieu a créé, Imana yaremye, sont en train d'être canalisés, biriho birayoborwa, pour te faire du bien, kugira ngo bikugirire neza. Oh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, duha amashyi mwami, alléluia, alléluia, tout est chaud, ibintu byose, sans exception, hatavuyemo na kimwe, c'est difficile. Si la avale, non? Biragoye kubyumva sibyo? Mais c'est la vérité. Nyamara n'ukuri. Écoutez-moi. Munyumve. Vous êtes en train de vous demander. Muriho muribaza. Mais même les mauvaises choses, oui. Les mauvaises expériences, les mauvais états concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ese nibibi nibi bihe bibi nibunubuzima bubi byose ni kuneza yabakunda Imana. Ça c'est le rationalisme. Uho aho uburi gukoresha ubwonko utekereza. Et Dieu c'est un Dieu transcendant. Nyamara Imana ni Imana irenze. Il va t'expliquer comment. Iragusobanurira ni gute. Il va t'expliquer les tenants et les aboutissants de cette vérité. Iragusobanurira ukuri kuku impamvu nyamukuru y'ukuri kw'ibyo bintu. Toutes choses. Ati byose 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 ibyo ushobora kwibaza byose narakibuvanyemo. All of what you can imagine without any exception. Ibyo uzi n'ibyo utazi. What you know and you don't know. Byose. All of that. Bifu birafatiriza hamwe. They are all working together. Kuzanira ibyiza ukunda Imana. For the good of that who loves God. Mais ça c'est une grande une haute philosophie. Ariko ni ibintu bisaba gutekereza mu buryo bugoye bukomeye kugira ngo. Mais pourtant Dieu l'a simplifié pour que la vieille maman qui n'a pas été à l'école puisse l'assimiler. Nyamara Imana yarabyoroheje kugira ngo na wa mukecuru utarabashije kujya kwiga na wa byumve. Vous comprenez? Buri wa murabyumva. Eh! Comment est-ce possible? Comment est-ce que même les mauvaises choses sont en train d'être canalisées pour mon bien? Ça va s'expliquer tout de suite là. Dressez les oreilles. Peut-être que tu as déjà entendu beaucoup de prédications d'enseignement sur ce sujet. Mais il se peut qu'aujourd'hui, je vais dire quelque chose que tu vas comprendre pour la première fois. I am not sure. But I guess. You understand? Écoutez-moi bien. Avant tout, réjouis-toi. En Dieu. La vie est brève. Pour grincer les dents. Elle est très brève. Il faut te réjouir. Vous savez que l'Éternel sourit de ses ennemis. Psaume 2. Psaume 2. L'Éternel sourit de ses ennemis. Je vais te dire une chose que Dieu m'a montré cette nuit. Dieu m'a amené devant un possédé. Démoniaque. Et puis Jésus se tenait comme ça. Et moi j'étais là. Cette nuit. Et puis le possédé était là. Et les démons ont commencé à gonfler.
umudayimoni muri we atangira les démons, il y en avait plusieurs. Aba dayimoni muri bo batangira kubyimba. Parce que ce sont des puissances de méchanceté. Kuko ni imbaraga z'ubugome. Et Jésus a dit, hanyuma Yesu aravuga, non, il n'a pas dit. Il a fait ça. Ntabwo yavuza ahubwo yagize atya. Yatunze urutoki hasi gutyo. Les démons. Hanyuma baba dayimoni. Instantanément. Uwo mwanya nyine. Une puissance les a attirés à genoux devant lui. Et le Seigneur m'a dit, tu as vu? Si vous saviez qui vous êtes à moi, tout fléchira devant vous. C'est une belle vision. Amen. Amen. C'est une belle vision. Niere kwa ryiza sibyo. Kumbe rero hari byo tutaramenye. There are things that we ignore. Alors je vais revenir ici. Ndashaka rero l'Éternel sourit de ses ennemis. Ngo uiteka aseka abanzi be. Parce que dans la vision, kubera ko mwiyere kwa le Seigneur se rit de ses ennemis. Umwami yasetse abanzi be. Quand il a fait comme ça. Ije ya manuraga gatoki. J'étais là. Narebaga. Après il se rit. Hanyuma araseka. Il a dit, ngo, si vous saviez qui vous êtes à moi, tout fléchira devant vous. Alors je vais te dire, je ne sais pas sinzi, ce que tu traverses. Si j'en suis la cause, pardonnez-moi. Mais, ariko, je sais une chose. Arichinunzi, si tu te ris maintenant, au nom de Jésus, de tout ce qui t'empêche Nyagamburo. Tu vas voir la réaction de l'Esprit de Dieu. Uraza kubona gukora kumwuka w'Imana. Un de toi. Riez de vos ennemis. Vous voyez, c'est un exercice difficile. Vous voyez? Parce qu'il mit la gagaille. Riez de vos ennemis. Le psaume 2. Zaburi akabiri. Le ténèbre se rit de ses ennemis. Uiteka seka banzi be. C'est dans le psaume 2. Biri muri Zaburi akabiri. Ni bukene ni biki ni ntonganya nabakugize gute biseke mu izina rya Yesu. Amen. Parce que rire tes ennemis ça fait partie d'une arme de l'Éternel. Kuko guseka banzi bawe ni imwe mu ntwaro z'Uwiteka. Eh titori yabakobanyi ukabiseka pauvreté ugaseka ubukene uko urakarira ibintu satana kujugunyaho niko akaza umurego mu kubikujugunyaho. Vous comprenez? Murabyumva? Hein? Murabyumva? Amen. Alléluia. Amen. Hein? Moi je me ris de mes ennemis. Jesse Kabanzi Wanje. You know who I am? Muzabondiwe, muzuwandiwe. Alléluia. Amen. Eh! Il faut te rire des ennemis. Ugomba guseka banzi bawe. Satan t'observe. Satan t'observe. Satan abakureba. Pour voir si tu es comme ça. Akagira ngo arebe ko wagizaga. Dégourdis-toi. Dégourdis-toi. Montre au diable. Ereka Satani. Que tu te fiches, tu t'en fiches de ce qu'il fait. Ko ibyo ari gukora nta kintu biri kugukoraho na gato. Qu'il fout le camp. Ko agenda. Qu'il fout le camp. Akagenda. Tout ce qui te trouble. Ibya kubuzaga mahoro byose. Ri. Biseke. Réduis ça au néant. Bihindurubusa. Anéantissa. Bigirubusa. L'Éternel se rit de ses ennemis. Uiteka seka banzi be. Pourquoi est-ce qu'il se rit de ses ennemis? Kubera cyase seka banzi be. Parce qu'il est tout puissant. Kubera ko ari ushobora byose. Ababona ngudushishi. Amen. Ndashaka kubaza. Agashishi kashobe kuvuga hanyuma kakagutuka. Wagire gute? Wowe agashishi urakabona? Aje dore ko gisa dore amatwi. Wagira gute? Uhagaseka? Uhagakandagira? Nugakandagira uzaba umaze ngagashishi. None Satani niba aza gutera gushishi. Eh? Bisuzugure. Yesu. Amen. Biseke. Eh? Biseke. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hein? Plus sur
rire tes ennemis, plus le Seigneur prend ton doigt et fait comme ça. Et les démons sont pris ensemble. Venir se prosterner devant toi. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Laugh at all those troubles. L'Éternel se rit de ses ennemis. Parce que nous douchons imbere. Amen. Ouais, mais tu es malade. Hein? Il y a gashish. Hein? Il a tout mouk. Ou quoi tu as cause? Ni moi moi bien imbaraga moi bien singutu. C'est ça le problème. Mumbi kibazo gihari ibibazo babyise ngo ni ngutu nuvuga ngo ntabwo bishobora kuvaho eh agashishi imwe yagushira gute karatumuka reko uyu munsi umuya gahumuka ruhuke amen ibibazo biratumuka mu izina rya Yesu amen alors écoutez moi mwumve rero comment cette vérité peut être comprise ese ni gute uku kuri umuntu ashobora kugusobanukirwa comprenez mubyumve. Même si ta vie est un véritable chaos. Chaos. Ah, tous les problèmes de la vie. Si la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu, il faut comprendre la puissance de Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'entropie. Hari icyo bita entropie en physique, muri physique thermonucléaire, c'est en physique qui étudie le mouvement de corps au niveau thermique ou le mouvement des énergies. Ubushakashatsi bushingiye ku kuntu ibintu bigenda cyangwa bikora, c'est la chaleur, ukuvuga ubushyuhe, l'entropie. Un exemple reka dufate urugero. Comment est-ce que la glace parvient à être vapeur? Explique-la. Bishoboka gute ko barafu ihinduka umwuka? Ah? Urubura. Barafu. Hein? Je vous explique le principe d'entropie. Ndio ndasobanura iryo hame rya entropie. In English, entropy. Ihame ryo entropie. L'univers parmi les lois qui le gouvernent, il y en a aussi cette loi d'entropie. Mwisanzure mu mategeka yigenga harimo n'iryo ihame rya entropie. L'entropie, c'est la mesure du désordre. Entropie ni ikigero désordre, la mesure du désordre. Ikigero dans un corps, la mesure du désordre. Ikigero kikuntu ibintu bitagenda cyangwa se bihindura bihinduka mu buzima akavuyo. Regarde, nous avons la glace. Dore dufite barafu urubura. Urubura, c'est un corps solide. Ni kintu gifatika gikomeye qui a une forme gifite ishusho. Et puis quand la chaleur vient, hanyuma iyo ubushyuhe buje, ce corps fondre et devient de l'eau. Et quand la chaleur continue, l'eau devient vapeur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Nous assistons à un mouvement de désordre moléculaire. Les molécules qui composent baraf sous l'effet de la chaleur sont en débandade. Comprenez? Donc nous assistons à l'entropie, au désordre des molécules. Ni gute ufata barafu wayishira mu isafuriya ugateka igahitinduka amazi muri wakomeza igahinduka umwuka. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le corps est passé de l'ordre au désordre. Nukuvuga ngo iyo barafu yavuye mu kintu cyafatikaga ihinduka ikintu kidafatika. Est-ce que c'est la même matière qui compose toujours l'état gazeux? Ese ibigize wa mwuka nibyo bigize ya barafu? Hein? Bien sûr. Nibyo. Ça veut dire que l'entropie, c'est le changement d'état.
nukubuga entropy nugu hindu kakwi chinu chikawa ichindi. Vous comprenez? Ce sont les mêmes molécules. Ni ibichigize ni bimwe. Mais sous l'effet de la chaleur. Ariko kuko byahuye n'ubushyuhe. Les molécules se dispersent. Ibichigize byatandukanye. Ça devient désordre. Bihinduka ukundi kuntu. Ce concept a été inventé en 1865 par un scientifique. Ijo hamerya vumbuwe 1865. Mu gihumbi kimwe magana inani na mirongo irindwi na mirongo itandatu na gatanu. Et cela a conduit à la physique quantique, je veux dire. Physique quantique. Ça veut dire, ce monde que nous voyons, nous allons terminer. C'est pour vous aider à comprendre Romains 8, 28. Ce monde que nous voyons avec la Terre, le Soleil, la Lune, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies, etc. Nous voyons ici, si changi sansure tubona iriminyenyeri amanyenyeri ibintu byose bigize tubasha kubona. À l'ordre macroscopique. Kurwego ruto cyane. Macro. Anako runini cyane. Vient dans un autre état microscopique. Biba byaturutse mu kindi mu kandi kantu gato gato cyane. Ça veut dire les molécules, les atomes qui composent les étoiles ou la terre. Provient de l'infiniment petit. Le monde quantique, le monde en dessous de l'atome là, subatomique. Plus tu vas de l'infiniment grand, et tu descends à l'infiniment petit jusqu'à l'atome, et que tu descends dans le monde subatomique, tu vas y découvrir un désordre terrible. Ce qu'on appelle le champ quantique. C'est Toiboyu. Dans le cœur de l'atome, c'est Toiboyu. Quand le désordre continue, ça crée le chaos. Dans le monde subatomique, ce n'est pas le désordre seulement, c'est du chaos. Et c'est de là d'où proviennent les galaxies. Dieu a créé l'ordre cosmique à partir du chaos du monde subatomique. Alors, vous avez dit que vous avez il faut comprendre. Il y a un peu de temps. Quand il y a un peu de temps, il y a un peu de amazi, arazi y a umwuka. Ok? Wene wene ntago yize ngo amenye bya molekine ariko yuhita arabibona. Hariho changement d'état. État solide, état liquide, état gazeux. Sibyo? None, va mu manyenyeri. Uze kuba umuntu va munsi y'ubumuntu umanuka wikugize uzagera kuri atome winjire munsi ya atome hariya muri monde quantique hariya nakavuyo hein c'est un champ énergétique il y a ce qu'on appelle des particules antiparticules donc dit particules hein des particules vous voyez des virtuelles ça vient. Ça veut dire, Dieu crée dans l'atome il y a des particules antiparticules ça veut dire, il y a une particule tout de suite là, à un temps très très, un dix millionième de seconde, où la particule tuée par notre particule. Voilà. Hakaba hari akantu kakabaho akandi kagahita kaza kagasenya akandi kakaza gutyo mu mwanya w'umuntu nibyo nibyo biba biri muri wowe dans le monde subatomique mwisi yiri munsi ya quand on regarde avec des microscopes puissants iyo rero bakoresheje bya mashini akomeye c'est le chaos
Alors Dieu a créé du chaos. L'ordre cosmique. Alors ta vie alors. Si la vie est un chaos. Les choses ne sont pas en ordre. La pauvreté te balance à gauche à droite. Ta vie n'a pas ordonné, n'a pas de forme que tu souhaitais. Tes problèmes te tout par derrière, par devant, gauche, à droite. Ta vie n'a pas la forme que tu souhaiterais. Tu n'es pas content de ta vie. Ta vie n'est pas glorieuse à tes yeux. Tu es comme dans le monde subatomique. Ça veut dire que tu es dans cet état-là de chaos. Mais Dieu dit, comme j'ai créé l'ordre à partir du chaos, je vais ramener les éléments épars de ta vie. Je vais amener les événements épars de ta vie. Je vais amener tout ce qui est par pied à gauche à droite. Le bonheur qui fuit de toi chaque jour. I'm concluding, listen to me. Écoutez-moi. Dieu crée à partir de la parole. Si tu écoutes la parole que tu crois, Dieu va créer. Alors ta vie, quel que soit l'état dans lequel elle est aujourd'hui, Dieu voit. Le bonheur est loin. Le bonheur est loin. La paix est loin. Tu es dans une vie qui n'a pas de forme. Tu es dans une vie en suspense. Tu n'es pas content de ta vie. Hein? Il n'y a pas un ordre dans ta vie. La parole de Dieu te dit, je t'ai créé pour t'élargir, mais je te vois à l'étroit. Ta santé est un problème. Ton avenir est problématique. Ta vie n'a pas de forme qui glorifie Dieu. Tu cours après ceci, mais tu n'attrapes jamais ce que tu veux. Alors tu es là désemparé. Tu cours après les hommes, mais les hommes te déçoivent. Tu fais ceci, ça ne tient pas la route. Tu essaies l'autre, ça ne colle pas. Tu espérais te marier, croyant être heureuse, et te voilà malheureux, malheureuse. Il y a des choses dont tu espérais être la source de ton bonheur, mais tu as déchanté, tu as déchanté, déçu, c'est la déception. Je vais te dire ceci, le Dieu qui a sorti cet univers ordonné, les étoiles, le soleil et tout, où tout fonctionne à une précision extraordinaire, hein? Où toutes les galaxies, hein, se meuvent dans leur orbite à une précision millimétrique. Sans accident dans l'univers. Tout est en ordre dans l'univers. Mais au départ, au démarrage, il y avait le chaos de l'atome.
ukavu yo munsi ya to Dieu a parlé Imana iravuga et du chaos hanyuma murako kavuyo quantique murako kavuyo kibito du chaos cyboatomique murako kavuyo ko munsi ya tome a surgi un univers ordonné avamo isanzu riri ku murongo le même Dieu yo mana nyine il va parler sur ta vie yaza kuvuga ku buzima bwawe ta vie qui est chaotique ubuzima bwawe bwari mu kavuyo ta vie qui déchante ubuzima bwawe bwa gutenguhaga Dieu va parler aujourd'hui Imana iraza kuvuga Hanyuma ibyara kavuyo va donner naissance à une vie ordonnée biraza kuzana ubuzima buri ku murongo prosperity will take place gutihirwa no gutunganirwa biraza kuza mu buzima bwawe prosperity will take place gutunga no gutunganirwa biraza kuba mu buzima bwawe peace will take place amahoro araza kuza mu buzima bwawe enlargement will take place kwagukirwa biraza kuza mu buzima bwawe power will take place imbaraga ziraza mu buzima bwawe everything in order buri kintu cyose kirajya ku murongo God is going to put everything in order imana byose irabishyira ku murongo C'est ça Romains 8 28. Abyo ni bya Roma 8:28 avuga. Il va prendre même tes malheurs. Araza gufatana bya bindi bitaga ibyago byawe. Il va les amener. Araza kubizana. Pour créer quelque chose d'harmonieux. Kugira ngo ireme ikintu kiri ku murongo. Quelque chose extraordinaire. Ikintu kidasanzwe cyiza. Ta vie n'est pas jetée. Ubuzima bwawe ntabwo ari ubwo gutabwa. Avec Dieu il n'y a pas trop tard. Hamwe n'Imana ntabwo habaho gukererwa. Les hommes te diront trop tard. Abandi bavuga ngo yaracererewe. Mais Dieu ne dit jamais trop tard. Imana nabwo ivuga ngo igihe cyararenze bishitwa none as it is now bishitwa none as it is now nuhindukira Imana when you turn to God nukwizera through faith kuruwayo that you belong to him kuyikunda that you love him kuyikunda that you love him iraza kufata na biriya byatakaye he will even take what was rejected iraza kufata na biriya byaguhunze he will even take what has iraza kufata na biriya wibaza ko bidashoka he will even take what you considered impossible He will even take what you don't know. All things. Ibintu byose. All things. Ibintu byose. God. Imana. Will put everything. Iraza kubifata byose. In his line. Ibishyira mu murongo wayo. Towards your good. Kugira ngo bikugirire neza. Today. Uyu munsi. Just believe. Yizere. Dieu va amener du chaos. Il va créer l'harmonie. Imana iraza kuzana mu kavuyo ireme ibiri ku murongo. C'est le Dieu qui a créé l'univers. Ni Imana yaremye isanzure. L'univers ordonné. Isanzu riri ku murongo. Dieu a créé l'univers ordonné. Imana yaremye isanzu riri ku murongo. A partir du chaos quantique. Ibikuye mu kavuyo kandi. Il va parler aujourd'hui. Uyu munsi iraza kuvuga. Ta vie chaotique. Ubuzima bwari mu kavuyo. Va prendre forme. Buraza gufata ishusho. Et les gens. Abantu. Qui t'aiment. Bagukunda. Vont glorifier Dieu. Baza Imana icyubahiro. Toi-même. Na ugawe. Tu vas être étonné. Uraza kumenya. Et les ennemis. Abanzi bawe. Écoutez-moi. Ngunyumve. Écoutez-moi. Ngunyumve. Dieu va recréer ta vie. Imana iraza kongera ireme ubuzima bwawe. Il va parler sur ta vie. Iraza kuvuga ku buzima bwawe. Les choses vont venir en place. Ibintu bize ku murongo wacyo. Du chaos à l'harmonie. Bive mu kavuyo bijye mu murongo. Et ceux qui t'aiment. Abagukunda. Ils vont voir la grandeur de ton Dieu. Bazabona ugukomera kw'Imana yawe. Et qu'est-ce qui va faire tes ennemis? Hanyuma abanzi bawe bazakora iki? Écoutez-moi. Bobo nyumve. En face de ce que Dieu va créer. Imbere y'ibyo Imana iri bube yaremye. Qu'est-ce qui va faire tes ennemis? Abanzi bazakora iki? Il va les amener pour qu'ils lâchent la poussière. Bo baraza kugira ngo barigate umukungu gubirenge byawe. Ça veut dire quoi? Bishatse kuvuga iki? They will come and bow. Before you. Baraza kuza bapfuka imbere yawe. C'est ça Romains 8 28. Nicho bivuze abaroma 8:28. Toutes choses. Ngo byose. Concours. Bifataniriza. Au bien de ce qui aime Dieu. Hamwe kuza ni neza kubakunda Imana. There is no reason. Na mpamvu. For a son of God or children of God. Ko umwana w'Imana. To expect. Yiringira cyangwa yitega misery things ibintu by'ibyago ibibi no reason nta mpamvu the future ejo hazaza belongs to Jesus naha Yesu and for his people mu bantu bayo alors je vais te dire aujourd'hui rero uyu munsi nashakubwira nous allons terminer tugiye gusoza chacun va prophétiser sur ta vie sa vie buri wese agiye guhanura ku buzima bwe tu vas parler à ce chaos uvuge ibyara akavuyo tu vas parler à ces choses qui t'échappent alors que Tu sens que elles étaient faites pour ton bien, pour ton bonheur. Ubwire ibyo bintu bikunyuraho nyamara warubizi ko byari bihari kugira ngo bikugirire neza. Nous allons conclure aujourd'hui en prophétisant sur nos vies. Uyu munsi tugiye gusoza duhanura ku buzima bwacu. Je vous ai dit quelque part dans mon enseignement. Uyu munsi nababwiye. Je vous ai dit ceci. Nababwiye ngo ninde yikunda. Mwavuze ko mwikunda.
Alors, nimba wikunda uraza guhanura ku buzima bwawe. Amen. For your good. Kubwineza yawe. And for the glory of God. No kubwicyubahiro cy'Imana. Et tu vas dire. Hanyuraza kuvuga. Parle seulement. Ngo kuvuga gusa. Eh. L'univers. Yisanzure yose. Sans limite. Idafita higaruki. Avec ses mystères. N'ubwiru bwinshi. Est sorti de la parole. Yasohotse mu ijambo. Du chaos à l'harmonie. Toi, tu vas parler au nom de Jésus. Sur ta vie. Et Dieu va ramener toutes choses. Pour œuvrer pour ton bien. Et demain, tu vas te réjouir de ce que Dieu a fait.